Fantastique, tu es en pôle. Tout est prêt pour la course de demain, mais avant de commencer, regardons rapidement qui sont les premiers pilotes sur la grille. Iceman, Russell et Carlos Sainz. Les qualifications sont terminées, la grille de départ est maintenant établie pour la course de demain, alors ne manquez surtout pas ce Grand Prix qui devrait tenir toutes ses promesses. Le Grand Prix d'Espagne fait partie intégrante du calendrier de F1 depuis plus de 30 ans, ce qui est parfaitement justifié. Souvenez-vous de toutes les courses mémorables qui s'y sont déroulées. Je pense notamment à la performance inoubliable de Michael Schumacher lors de l'édition 96. L'Allemand y avait décroché sa première victoire pour Ferrari sous une pluie torrentielle. Le circuit de Catalogne a été redessiné et nous apprécions particulièrement la suppression de la chicane du dernier secteur qui accélère les temps autour et réduit la distance totale à 4,6 km et 14 virages. Il s'agit en fait de la configuration d'origine de la piste qui n'a pas été utilisée depuis 2007. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Iceman part en pole position, juste devant George Russell qui va partir en deuxième place. Regardons maintenant le reste de la grille. Sainz, Norris, Verstappen, Leclerc, Fernando Alonso, Bottas, Ocon, Stroll, Gasly, Hülkenberg, Perez, Albon, Joe, Magnussen, Liam Lawson, Tsunoda, Sargeant et Nyck de Vries. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage.
Les pilotes s'élancent pour le tour de formation et il est temps d'optimiser leur monoplace pour le départ et les batailles qui les attendent dans les premiers virages. Les monoplaces rejoignent leur emplacement sur la grille et chacune des écuries espère désormais que sa stratégie s'avérera payante pour la course. La question est maintenant de savoir qui a pris le pari gagnant et qui repartira déçu aujourd'hui. On a constaté un niveau d'usure important dans le moteur à combustion interne. On va subir une perte de puissance. Va être autorisé dans ce tour. Tu peux l'utiliser si tu as moins d'une seconde d'écart avec la monoplace de devant dans la zone de DRS.
essai extérieur. L'écart avec la voiture de derrière. 10,7 secondes. Sa voiture a de nouvelles gommes tendres. Je crois qu'il leur reste encore un arrêt. Le dernier tour a donné 1,18,3. De la fenêtre d'arrêt au stand, tu chausseras le médium. Commencer à sentir une différence.
Sois prudent, tu risques de subir une perte d'adhérence dans peu de temps. Et en première position, tu mènes la course. Sainz est derrière toi. Ton avance sur la voiture qui te suit. 17,7 secondes. Il chausse des pneus tendres usés. La fenêtre d'arrêt au stand s'ouvre dans le prochain tour. Entre sur ce tour, donne tout ce que tu as. Au stand à la fin de ce tour, rentre au stand à la fin de ce tour. Notre dernier arrêt, plus aucun arrêt prévu pour aujourd'hui. Russell est juste devant, essaie de le dépasser. Notre retard sur la voiture de devant est de 1,4 secondes. Il chausse des pneus tendres usés. Il chausse des gommes usées depuis 11 tours. Je crois qu'il leur reste encore un arrêt. Le dernier tour a donné 1 minute 19,6. Beau travail. Max vient d'entrer au stand. Max s'arrête. We'll be right back.
l'écart avec notre coéquipier est de 27,6 secondes. Drapeau jaune. Drapeau vert.
Voici l'écart avec notre coéquipier. 34,0 secondes. À peu près 5 tours de carburant. Attention, attention. Retour à la normale.
Nous avons à peu près 2 tours de carburant. L'écart avec notre coéquipier est de 40,4 secondes. Dernier tour, on lâche rien. Superbe course, vraiment superbe. Tu as bien mérité cette victoire. Très belle course et conduite exemplaire de la part de Red Bull qui remporte cette victoire aujourd'hui. À votre avis, Jacques, qu'est-ce qui a fait qu'il a pris le dessus sur les autres aujourd'hui? Je pense que la météo était parfaitement adaptée à sa monoplace. Toutes les conditions étaient réunies, vent, température de la piste. Lorsque la température des pneus est optimale, les performances sont au rendez-vous. Vous avez donc tout intérêt à maintenir cette température. Voilà ce qui a fait la différence aujourd'hui. Sa monoplace semblait à l'aise sur la piste. Red Bull s'est battu avec acharnement pour s'imposer aujourd'hui et nous sommes contents de voir que leurs efforts sont enfin récompensés. Il faut dire que l'équipe autrichienne apporte beaucoup à ce sport et on ne peut s'empêcher de partager leur joie. Voyons ce qui a changé au classement des pilotes. Iceman renforce sa place de leader au championnat. Eh bien Jacques, qui pourrait selon vous prétendre au titre de pilote du jour? Pour moi, c'est Iceman. Passons à présent au constructeur. Red Bull prend le large au classement. Après une course comme celle-ci, comment deviner qui va remporter le championnat? Alors soyez au rendez-vous pour suivre le prochain Grand Prix à nos côtés.
On a reçu les nouvelles pièces de l'usine. On va les intégrer à la monoplace en vue du prochain Grand Prix.